Je te fais une petite vidéo assez rapide. On va mettre une petite bougie. Pour te donner un exemple des tirages avec l'oracle sacré, mais avec d'autres tirages aussi. Voilà. Donc là, j'ai un petit paquet de cartes. Hein, ce sont des cartes qui sont sorties au battage. Je les ai rassemblées dans l'ordre dans lequel elles sont sorties. Je vais te montrer quelque chose parce que des fois, tu peux avoir des messages et pas forcément en avoir la perception d'un certain angle. Regarde, on commence par manipulation, perfidie. Ok, d'accord. Tout de suite après, j'ai la lignée familiale. Alors, hop là, ancêtre, lignée familiale. Donc on voit qu'il y avait peut-être une manipulation de sa lignée en fait. Hein. On va voir qu'ici, il est question, voix, trahison, vol, il y a question aussi d'être fidèle à soi-même. Hein. Voilà, d'être fidèle à soi-même. Et on voit qu'il y a la fin, la mort. Et tu peux dire, mais ça veut dire quoi ce truc? Eh bien, pour moi, c'est la fin. Je vais pousser, j'ai le Normand qui est là, tu vois. Hop. C'est la fin. C'est cette notion de peut-être couper certains liens dans la lignée, de femme, dans sa lignée familiale, de couper la chaîne aussi, hein, de couper la chaîne aussi, d'un couper peut-être un schéma répétitif aussi avec ses ancêtres qui empêchaient justement certainement d'avancer. Et pourquoi je te dis ça? Parce que hop, il y a cette carte-là aussi qui est sortie. La dernière, c'est celle-ci. C'est une figure géomantique. C'est Caput Draconis, la tête du dragon, et qui nous parle de construction et d'harmonie. En fait, à partir du moment où il y a peut-être un travail transgénérationnel à faire pour se libérer de ces chaînes des générations antérieures, de ses ancêtres, et finalement de n'en garder que le meilleur, tu vois. Il y a vraiment peut-être cette notion-là. J'ai une boîte de micro. Je t'ai fait ça vraiment sur le tas. Eh bien, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment. Il y a peut-être un travail transgénérationnel pour être intéressant sur ta lignée. Et là aussi, ça me parle, si ce n'est déjà fait, parce que là, on voit que c'est la fin de tout ça. Pour moi, c'est la fin de tout ça. La fin de tout ça pour devenir soi, en fait, et enfin pouvoir construire, pouvoir se construire, pouvoir justement. Se sentir en harmonie. Ce qui est intéressant, c'est Caput Draconis, c'est une action qui est lente, mais qui est constructive. Hein. C'est une action qui a été vraiment tout doucement, lente, constructive, mais qui permet de construire après sur des bases solides, stables, saines, pour quelque chose de durable. Et en fait, c'est ça. Il y a l'arrêt de schémas répétitifs. Ça peut être aussi avec en lien avec des vies antérieures. On voit que c'est vraiment par rapport à ses ancêtres. Hein. On l'a ici. Hein. On l'a très bien. Hein. Là, on a le passé. Donc voilà. Voilà un exemple justement d'interprétation. Tout est possible en fait quand tu tires les cartes. Hein. Et c'est surtout ce qui va se présenter à toi. Et des fois, tu vois peut-être pas. Puis paf, d'un coup, tu as deux cartes. Donc tu vois notamment celle-ci. Et puis là, la fin, la mort, et bien pour moi, c'est cette possibilité d'être soi, en fait. Hein? Cette possibilité d'être soi sans les conditionnements de ses ancêtres, tout simplement. Et même de l'éducation qui a été fournie, c'est-à-dire de choisir tes croyances, de choisir tes valeurs. Ça parle vraiment de tout ça. Dans ma dernière guidance, il était vraiment question. C'était marrant parce que de retour aux sources en fait, de revenir peut-être à ses racines, racines du passé, et c'était peut-être en fait ce travail-là en fait, hein, de venir enlever les nœuds en fait, enlever les nœuds et garder que ce qui est bon. Voilà, hein, avec son histoire personnelle et avec ses ancêtres, sa lignée de femme, hein, aussi pour les femmes, hein, mais pour les hommes aussi. Voilà. Et peut-être qu'en ce moment, il est question de ça aussi, justement. De défaire les nœuds. Et pour moi, ça me parle des moutons noirs dans la famille. On les appelle des moutons noirs. Il y en a ces vilains petits canards qui, dans les familles, qui, donc ces personnes qui sont différentes et
qui brisent les chaînes, en fait, qui permettent aux schémas familiaux de ne pas se répéter. Et là, il est question de ça. Et on voit que ça apporte vraiment quelque chose de constructif, d'harmonieux. C'est lent, mais ce sera du stable, du durable. Et on voit qu'il y a encore cette période de décembre à août. Hein, tu vois, tu les mets dans l'ordre que tu veux. Décembre à août, ça tombe bien, on est au mois de décembre. Et dans ma dernière guidance, c'est pareil. Il était vraiment question de toute cette période-là, de cette fin d'année et du premier semestre de l'année. Je suis désolée, j'ai bougé parce que je tiens moi-même ma caméra, j'ai pas de trépied. Et du premier semestre justement de l'année 2023. Ça va être constructif. Voilà. C'est comme une sorte d'épuration qui se termine en fait, et, pour se libérer, comme les étapes alchimiques, hein, quand la matière devient pierre et la pierre se nettoie, se délaisse de ses impuretés justement pour le plomb se transforme en or hein, pour laisser place à cette pierre philosophale. Voilà. Donc tout ça, c'est terminé. Ça, on parle de manipulation, de choses comme ça, de raison, mais ça, c'était peut-être les croyances. Ça peut être, oui, c'est ça. Ça peut être les croyances, les conditionnements. Les conditionnements, là, c'est terminé, c'est fini. C'est terminé, on voit la fin, la mort. Voilà, tu verras qu'il y a, il y a, il y a une bougie. La lumière est toujours là. Hein. Voilà, la lumière est toujours là. Et il y a une purification par le feu aussi, pour quelque chose de bon après. J'avais envie de te faire cette petite vidéo. Et puis, eh bien, si tu regardes cette vidéo sur Instagram ou sur Facebook, tu peux aller voir la dernière guidance que j'ai mise en ligne sur YouTube, qui est un petit peu plus longue et donc qui ne peut pas être mise en ligne, en tout cas sur Instagram, parce que le temps est très court. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Merci à toi. On se retrouve très vite dans une nouvelle guidance.